Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode Europa Universalis 4 avec mon camarade Salut Serigaï. tout le monde. Azovi, à quel âge on voit là que... Faut que je le défonce. Le pire, je pense, serait si tu avais une dupe sur la Ouais, Mazovie. Ça prendrait tellement de temps en plus. mais je vais faire une UP à coup de Ranger, ça. Les dupes, c'est chiant. Déclarer la guerre. Moins 5, moins 7, moins 8. Moins 8 de stabilité. On va peut-être éviter de lui taper Ah dessus. ouais. Quelle taille il fait, le Mazovi? Est-ce que je me fais chier à l'annexer? Le vassaliser, l'annexer, ou est-ce que je le défonce Comme direct? tu veux. 53, bon, on va le défoncer. Le pire, c'est que tu peux très bien Ouais, annuler ton 56, alliance c'est pas directe, ce mal que je veux non dire, le plus. temps que tu fasses la trousse avec lui, hein. 83, t'as le temps. Je l'annule, l'alliance est annulée, ouais, l'alliance est annulée. Mais le truc, c'est que je me dis, administratif 10. Les temps, je pense, non, je pense que je vais le gober, je vais clamer chez lui. Je peux tout clamer, ouais, je peux tout clamer. Je vais clamer tout, je vais le défoncer. Un gueule de Brandebourg, putain, mais il tient le con en plus. De penser à un truc là. Le Brandebourg qui tient la vache. Est-ce qu'il est où le Brandebourg? Thomasy, sur province. Thomasy. Ah, il ne kiffe pas. Il n'est plus avec moi. Ah, il se tape une coalition en travers de la gueule, quoi. Ouais. Il y a une coalition contre lui. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas voulu Oui, moi non l'aider. plus, je Il suis a pas venu offert l'aider, quoi? hein. Mais non, je vais t'offrir un compte de Thierry. Le mec, je voulais l'offrir un compte de Thierry. J'étais prêt à lui offrir mes troupes gratuitement, quoi. Il a refusé? On a une trousse ensemble jusqu'à. Et non, on a une trousse avec. Ah, Pourquoi il est 83. pas venu Ah oui, l'aider? c'est vrai, on a 11 ans. Oh, dommage. Non, je vais renvoyer. Ah, mais non, il tient, mais c'est parce qu'il reste Berlin qui est assiégé, Stettin Qui est qui pas est. assiégé? Non, il est pas assiégé. Ça, On a oh, ça s'est terminé? Brandenburg, voilà. Il a fait quoi, attends? Non. Une paix blanche? Réparation Une paix 48. blanche! Non, quasiment. Quasiment. Quasiment une paix blanche, quoi. Une paix blanche? Il a rien lâché, ce con! Il a juste annulé ses alliances, mais c'est tout! Le mec a réussi à faire une paix blanche alors qu'il était occupé à 77%, putain! Faut qu'on explique, hein. Où est-ce que je collecte moi là? Elle est où ma capitale? Ma capitale commerciale, faudrait que je la déplace moi. Elle est où? En ce moment, elle est au niveau de. Elle est à Ouais. Cracovie. En fait, je garde toute la partie de la mer Baltique. Ouais. En fait, il faut qu'on se maintienne tout le commerce baltique. Ah Hein. oui. On se prend la mer Baltique en. Il vaut 4,28. Lubeck aussi, hein. Moi, il va falloir que Lubeck, je prenne Lubeck, hein, et Gdansk, tout, moi tout. ça part par là. Le coup, non, je m'en rentrerai vers. Ouais, je prendrai vers. Ouais, je déplacerai ma capitale commerciale. On va se prendre Lubeck après, je pense. Ah ouais. De toute façon, en 83, il y a la fin de la trousse avec Riga, donc du coup, bah. Les gars, allié avec qui? Avec Hambourg et Avec Lübeck. Hambourg et Lubeck. Donc, tu déclares la guerre à Riga, tu chopes Hambourg et Et Lubeck, on laisse Riga tu tranquille, chopes les jusqu'à territoires, ce que Riga fasse une on laisse alliance avec un Riga, autre bled on pourri. laisse Riga, bon, allez, qu'on ira défoncer. Et quand Riga aura plus d'alliés intéressants, bah là, je le Non, je goberai. supporte. Je te dis qu'avec Hongrie et Magdebourg, c'est ça qui m'emmerde, c'est l'Hongrie. Mais en même temps, la Hongrie, cette fois-ci, là, ils sont tombés tous dessus. Parce que je pense que si on se tape Hongrie, il a 26 000 hommes. Bien, je suis moi. Le 48. Le 48, ça me fait 4 régiments de mercenaires.
Muscovie. Moi, la Moscovie, je vais prendre Pskov, Karélie, Pomorie, Belozéro. Je te laisse Moscou, Souzdal, Riazan. Honnêtement. Deux petites secondes, il faut trouver. Toi, tu laisses le sud, toi, tu prends, ouais, tu prends Novgorod quand Ouais, même. c'est ce gars. Puis après, bah, en dessous de Novgorod, je te laisse. Hein. Tout ce qui est. Bah, Kalouga, Mosva, Vladimir, pour toi, ça sera bien parce que c'est les provinces les plus riches à Moscovie. Mais il a des potes ou pas à Moscovie? Ah oui, ces trois-là, ouais. Est-ce que tu voudrais récupérer la Ouais, ça me Moldavie? fera rire. Ah, mais il est plus allié avec la Moldavie. Ah non, je suis sur le mauvais là. La Moldavie, ouais, bien sûr, je récupère. Moldavie, Riazan et Non, Kiev. parce que, pour information, bah, vu que Moscou est allié avec la Moldavie, on déclare la guerre à Moscou. Il est un peu emmerdé avec Kazan en ce moment. Ah non, il est pas en guerre. Ben, moi, limite, ça me dirait Il est bien. pas en guerre. Bon, bah, à la limite, je prépare mes troupes et ben, on lui tombe dessus. Moscovie. Et Je me puis c'est les fous, orthodoxes, je veux je dire, préfère les autres pas Moscovie. gueuleront pas. Hein. On tape sur de l'orthodoxe, hein, c'est pas trop grave. Moldavie, ouais, la Moldavie, j'ai pas de claim, il va falloir que je me penche à Fais des ça. petits claims, voilà, moi tranquille, on prépare la guerre. Ouais, on se fait ça tranquille. Là, fabriquer claim, voilà, j'ai fabriqué mes claims sur l'orthe teutonique. Donc première idée, est-ce que je prends des idées religieuses pour convertir ces connards de d'orthodoxes? Moi, les religieux, c'est. Moi, je les adore. Moi. Et c'est pour ça que je me tatoue à passer protestant. Après, ah oui, toi, t'as des UP, ouais. J'ai pas envie de les perdre. Bon, je vais prendre religion parce que l'avantage c'est que si je reste catholique et tous les autres connards virent protestants. Hey, mon nouveau roi il est aussi carfoul. Et agressif expansion impact, moins 10%. Il a dit, ça a failli nous coûter. Moscovie, là, quoi. Ah, il a 29 millions, la Moscovie. Hein. J'en ai 25 000. La Hongrie, la Lituanie, on a 23 000. On a ouf, 15 000. Ah, on défonce, quoi. Je m'occupe vite fait de la Ouais. Moldavie. Je m'occupe de Après, tu me vois, Pskov, tu me vois plus. je laisse mes vassaux faire un peu le taf, et après on remonte. Comme ça. On laisse nos vassaux faire le Ah oui. taf. Et puis comme ça, surtout, chose intéressante à faire, on laisse pas cet abruti bah, s'étendre en Sibérie. Ouais, mais comme tu dis, Kalouga, Moscou, Vladimir, déjà moi je prends ces trois Ah oui. provinces-là, toi tu récupères Novgorod, et rien que ça, le russe il n'existe plus, quoi. Tu récupères les trois du bain. La Pologne qui a s'étendue jusqu'à l'Oural, tu vois. Ouais, moi je me chope, ouais, je me prépare, ouais, je me chope là, je vais claimer mes trucs là, et je me fais, ouais, Moldavie, Bessarabie et Tigrit là, Outina. Après, enfin, peut-être que je m'occupe un peu de Mazovie. Mazovie, la trousse jusqu'en 1483. De toute façon, c'est pas grave, on tape sur Moscou. Et puis on attaque la Mazovie indirectement. Et attendez une petite seconde. Conquérir Western Prussia. Comme mission. Marienbourg, du coup. Et être Properfleet. On va plutôt se faire Properfleet. RG. Exiva. Où Exiva? RG ou Schlass? Non, on va plutôt donner ça au Schlass. Ou je l'achète. Production efficiency plus 10%. Hein? Guerre civile. J'ai eu le temps. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de flotte. C'est un peu con ça.
J'ai pas eu En même 408 temps, je peux faire. Ah, marins, si, j'ai un c'est point con. aussi. Parc. Booming disaster. Donc je regarde pourquoi j'ai eu un looming disaster. C'est quoi? Vesta. Ah putain, ils ont trop d'influence. Regarde ça. T'as trop d'influence. Vesta. Bim. A. Moins influence. 14. Bon, on va le dégager. Voilà. On va enlever ça. On mettra l'armée au cas où s'ils sont pas. Pourquoi j'irais mon hérétique Un qui est stock. aussi bon que moi? Qui éducation, derrière mes traditions là. Eh ben le projet de Castillon d'envahir la le Périgord français n'a pas l'air d'être très très efficace. Hein. Attends. Oh! La Castille, l'Angleterre, l'Aragon. Un général 0010. J'en avais eu un comme ça. Mais attends. On va le prendre, on va le garder pour dire, je l'ai gardé Attends, quoi. regarde l'alliance de C'est la pas le moyen. Castille. Quoi est pair? Castille. Attends, Castille, Aragon, Naples, Angleterre contre France. Il se fait casser le cul. Oui. Contre France, Lorraine, Gênes, Lucas. Oh! C'est pathétique. Non mais, en fait, quand je vois ça, je me dis, on est sacrément balèzes tous les deux. Ouais. Ah Parce que nous, on l'a fait juste Castille et oui, tout Angleterre. à l'heure, tu me disais. Ah, c'est vrai que l'avantage de faire la guerre contre la. En fait, ça dépend. L'avantage de faire la guerre contre la Moldavie, c'est que ça n'attire que la Russie. Le problème, c'est que si on veut prendre Kalouga 12, Moscou 25, ça fait 37. 37 et 17, ça fait 54. On ne peut pas prendre Kalouga, Moscou, Vladimir. C'est trop gros de prendre ces trois Vu provinces-là. que Moscou est en guerre contre Oui. la Horde d'Or, on l'attaque? Ouais, si tu veux. Je m'occupe de. Deux petites secondes. 1er décembre. Au 1er décembre? J'ai oublié ça. Ouais, dans ces eaux-là. Ok, d'accord, bah moi je remonte le manpower là tranquillement. Comme ça, moi, j'enlève le contrôle de ça à l'Exiwa, là. Ouais. Détendre les bestiaux, là. 80% de contrôle, mais il faut qu'ils se détendent, les pays. Anglande, c'est le coup à France. Oh, putain. La honte. Oh, c'est pathétique, honnêtement. Comment tu fais pour foirer une guerre à ce point-là? Comment ils ont autant d'influence, cette bande enculée? Les Français? Non, non, le. Les Schlachtschaft. Les quoi? Les Schlachtschaft, c'est les factions militaires. Ah. Je sais pas, passe la souris, peut-être pour Ah oui, voir. ici. Sur l'influence. T'as pas des événements de merde qui te les ont fait. Deux. Bah attends, là, il y a une province. Une province, elle est 6-7-2, ils ont ça. Bon, on va leur dégager, vous allez pas prendre une province 6-7-2. Dégage. Voilà, d'un coup ça calme les envies de révolte, d'un coup je suis pété de thunes. Enfin pété de thunes. Bon ouais voilà, je gagne 0,30 d'un coup. Moi si tu veux qu'on fasse la guerre, tu me dis on y va quoi. Attends 2 secondes en fait. Bah ok, je dis juste ça. 2 unités en trop. C'est bon, on peut déclarer la guerre. Ok. M'occupe de la Bessarabie, Ok, bah j'occupe déclare des voir. lieux. Pas 2 secondes en fait. Objectif de guerre, on prend quoi? Non, Objectif de non. guerre, prendre. Prendre honnête. Tu me dis quand tu veux qu'on y aille. Vas-y. Bon bah. Je suis appelé.
La Suède et la Norvège sont appelées au combat. La Suède et la Norvège sont appelées au combat. C'est à bouger, vous les grouillots. Vite. Le Lituanien, lui, qui va où? En Moldavie, putain, mais quel boulet. Putain, le blaireau, mec. Ah putain, j'ai oublié de faire mes... L'armée de verre, elle va être au revoir. Oublie. La Bohème a vendu... C'est quoi la bohème? Ah putain, mon roi qui est mort. Ils viennent tous sur ma gueule, bien sûr, c'est pas où ils ce qu'ils viennent, c'est sur ma gueule. Oh putain, mais la Lituanie, elle va où? Elle va en Hongrie. Oh la vache. Et il fait rien, ça le truc. Ah, c'est affreux, c'est vrai que pour ça, l'IA de nos Putain, mais enfants, c'est... sac à foutre! Donner l'ordre Cul! agressive. Voilà. Et donner l'ordre agressive, ils vont te défoncer, quoi. Yalla, là, tu bouges, je te défonce. Tu vas voir, ah oui, ça va, je vais faire ça aussi. Midi cost, mon putain. Technology cost, idée cost, ou je perds 20 de légitimité, 1 de stabilité. Pardon. On a une bombe maintenant, ça. Bataille de Moldavie. Je me suis fait stack-wiper en Moldavie. Pourquoi? Les 22 000 Lituaniens se sont fait... je sais pas ce qui m'est arrivé. Il y a 7-8 000 hommes qui ont stack-wiper, mais 5 000 hommes, quoi. C'est n'importe quoi! Et les Lituaniens, je sais pas ce qui... Ah, mais arrête de bouger, connard. Ils sont où les Suédois? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ces mecs sont aussi efficaces que... Alors j'en ai connu des mous, mais des... comme ça, pas jamais. Hein. Regarde, moi j'ai mes 23 000 Lituaniens qui courent après les pécores. Hey, on va te niquer ta race Et maudite. occupez-vous d'autre chose, trou du cul! Oh non, j'ai pas de thune. Ah, on va faire Putain. poupée des rebelles! Voilà, on va mettre la moitié là, la moitié là. L'objectif, c'est une petite province de mer de Holness et qui se prend en un seul mois. Ça dit quoi, toi, la guerre là-haut? Pas mal. Je fais pourrir mon Putain, le armée. pute. Il dit tout rien. Mais dès que j'ai des fa... Limite, recule-toi, hein. Laisse-les venir sur ton territoire et on attend que mes... J'ai fini avec la Moldavie et que mes connards de... Regarde-moi les Lituaniens. Il se bat, il se bat. Les autres, les Suédois Si, si, et les les Lituaniens. Norvégiens sont en mode. On prend cher. La Lituanie, viens avec moi, viens fusionner le truc. Il va où ce con? Moldavie, ils sont où? Ils sont... Oh, la Moldavie, ils sont en train de faire l'Oldenbourg et la Istrisia, quoi. Ah ouais. Leur donne l'ordre de venir chez moi. Ils me disent, ben non, on vient pas. Les baskets, on vient pas. On va les mettre là-bas. De toute façon, la Moldavie, dès que tu es Leur donne assiégé, l'ordre. je suis à Non, la mais file. Hein. c'est une petite... Ouais. Comme ça, on peut tout rebasculer tranquillement sur la Pologne-Lituanie. Enfin, sur la Moscou, je veux dire. Je vais laisser tranquillement bouffer les... Oh, il y a Il va pas. où ce con? Il va à Rovaniemi, putain. Bonne chance. En fait, ça, le problème, c'est qu'on a beau avoir un vassal, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Remettez-vous ce qu'il y avait avant, hein, les gars, sérieusement. J'ai paradoxe là. L'IA, elle est catastrophique, là, c'est affreux. L'IA des vassaux, elle est... Comme là, tu vois, je sais pas où t'en es toi, mais moi, la Renaissance, elle est pas piquée. Il y a le prochain qui pop dans 25 ans. Déjà à 26% de pénalité technologique, quoi, c'est Ouais, pas. moi aussi. Mais ça commence à se développer un peu Ça chez se moi. développe, hein. 71% de la Moi, capitale. j'ai deux provinces qui l'ont.
Oh! Et ça fait La du Suède a mal, fait quelque ça nous chose! a La fait Suède a mal. pulvérisé une armée ennemie! C'est une armée de Non, Riazan. hein? C'est Riazan. Oui, ouf, au beau. Par contre, je Là, sais c'est pas pas du tout où est n'importe quoi. Moscou. L'armée de fer. L'armée de fer qui arrive dans 8 jours, tu vas voir, ils vont venir les aider, quoi. Parce que je sais pas non plus. Je les ai pas chez moi. Je l'ai pas chez moi. Tiens, la Lituanie qui est en train de venir vers chez toi. Putain. Bon, par contre, c'est la fin de l'épisode, donc on va s'arrêter là, les gens. Ouais. On vous dit donc bye bye. Oups, là. On vous dit donc bye bye, et donc à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le Salut tout le monde! monde.